Yes, on est à la maison et c'est quand même franchement plus calme ici. Alors pour la faire courte, il y a quelques semaines, j'étais en train de faire un montage pour le zapping du guitariste. Donc si vous connaissez pas l'émission, c'est un petit zapping que je fais. Je vous mets la playlist en lien ici, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Bon bref, j'étais en train de faire un montage et dans le zapping, il y avait une démonstration d'une sangle qui permet de rendre les guitares un peu moins lourdes. Donc là, je me dis bon, ça a l'air intéressant ça. Je vais donc sur le site de CFG qui s'appelle Cable Free Guitar. Ils font aussi des wireless pour virer le jack et ils font des sangles. Et là, je regarde un peu plus près, je vais voir d'autres vidéos et je me rends compte que ça a l'air pas mal comme produit. Apparemment, c'est un système ergonomique qui permet de vraiment répartir le poids de la guitare sur le dos, un petit peu comme des sacs haut de gamme de randonnée où la charge va être bien répartie sur le dos. Et ce qui va vous permettre de moins forcer sur les épaules. Donc je me suis dit, bon allez go, on y va. J'ai envoyé quelques messages avant à Audrey aux États-Unis et à Ariel, le patron de Cable Free Guitar. Et j'ai reçu, donc il y a quelques jours, cette sangle. Je vous promets que je n'ai pas encore ouvert la boîte. J'adore faire des unboxing en même temps que vous, en fait, parce que je trouve ça plus cool et puis vous avez les réactions en temps réel. Je trouve ça un peu plus sympa. Allez, on ouvre ça et on regarde si cette sangle tient ses promesses. Parce que franchement, pour le coup, c'est assez intéressant. Donc déjà, pour commencer, on a un petit ticket. Donc ok, c'est une offre de 10% avec un code barre derrière, donc sur le prochain achat. Ok. Je vais poser ça là. Qu'est-ce qu'il y a dedans encore? Hop là. Donc on a... Ah, on a des straps. On a un jeu de straps en caoutchouc. Et on a des médiators. Donc, c'est cool ça. Je savais pas. Donc je les ouvre, hein, on va regarder. Ah, je suis de main gauche quoi. Hop là. Donc voilà, c'est bon, la caméra, là, deux petits straps là. Des petits médiators. Ah, ils sont bien, ils sont assez secs. Comme ils sont un peu poudrés là, ça tient bien ça. Nickel. Allez, on regarde la sangle. Je découvre en même temps que vous. Hein. Donc, il y a quatre couleurs au choix. Vous avez soit noir, soit avec des éclairs, soit avec des têtes de mort, ou soit avec des flammes. Alors, moi, j'aime bien les choses assez simples, neutres. Donc, j'ai choisi noir. Il y a deux tailles. Vous avez une 160 cm et une 122 cm. Pour le coup, celle-ci, c'est une taille... 160 cm, je crois bien, c'est marqué sur la boîte, oui, longue, donc 160 cm. On va regarder un peu tout ça. Ah, c'est pas mal. Donc on a affaire à une sangle assez large, même franchement large. Il va y avoir un bon plus de 10 cm de large, avec un cuir ou simili-cuir. Donc je vais le mettre sur cette caméra là. Donc on a un cuir ou simili-cuir. Les finitions sont franchement bonnes. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Il n'y a rien qui me gêne en fait. Il n'y a pas de fil qui sont décousus ou quoi. C'est du cuir. Ouais, c'est du cuir. Je viens de le sentir. C'est du cuir. Bon, c'est cool. Et là, c'est du cuir aussi. Ok, on finit sur une sangle nylon réglable. Avec encore... du cuir et un petit lacet si vous voulez mettre votre guitare sur votre sangle, pardon, sur une guitare acoustique. Franchement, c'est à peu près propre, mais c'est même franchement propre, rien à dire. La qualité de finition est parfaite, rien à dire. Donc en fait, à l'intérieur, il y a des espèces de petits picots de néoprène. Ça me fait penser au papier bulle là. Permet de nous détendre quand on est énervé, c'est la même chose. Et c'est pas élastique, c'est pas mal. La sensation est vraiment bonne, là, c'est du polyester et c'est bien rembourré. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur ma Greco qui est là, parce que c'est la guitare la plus lourde que j'ai. Et je vais voir un petit peu les sensations qu'on va avoir. Alors, je l'ai réglé au plus bas. Tac, hop. C'est vraiment pas mal. Allez hop, on la met sur la guitare.
pour les straps, on verra après. On va essayer ça tout de suite, voir un peu ce que ça donne. Je vais mettre debout. Ah ouais, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable pour les épaules. C'est vraiment très sympa. Franchement, je vais mettre un peu comme ça là, histoire d'être encore dans le champ de la caméra. On a beau tirer dessus, c'est vraiment très agréable. Très très épais. Ah, c'est une sensation qui est assez étrange. Alors la guitare, elle est un peu réglée, la sangle est un peu trop haute pour moi. Je pense qu'il m'aurait fallu une 122 pour pouvoir la régler un peu plus haute. Mais clairement, ça passe comme ça quand même. Alors, le petit truc en plus, c'est que là, vous avez... Ah, ben, il y en a un dedans. Un range médiateur. Ce qui est vraiment une très très bonne idée. Bravo les gars. Bon, on va pas faire une vidéo de 5 heures sur une sangle. Mais là, franchement, c'est de la super cam. Honnêtement, c'est de la super bonne qualité. C'est hyper bien fini. Et clairement, waouh. On sent vraiment que ça allège quoi. Enfin, c'est pas que ça allège, c'est que c'est vraiment ergonomique. Et la sangle vient bien épouser et l'épaule et le dos. Donc perso, c'est adopté pour moi. Elle est vraiment extra cette sangle. Franchement, c'est bien. Alors, clairement, quand je fais des tests, je suis totalement honnête. Ceux qui me connaissent sur ma chaîne le savent bien. Si un produit je trouve nul ou moyen ou alors qui ne correspond pas, je vais le dire, ce produit ne correspond pas. Là clairement les gars, allez-y les yeux fermés, c'est de la super cam. Franchement, c'est hyper costaud, vous avez un truc en... Bon, ouais, ça, on dirait du cuir, c'est du cuir. Hein. Un truc en cuir, du nylon, c'est rembourré, c'est large. Les petits picots de néoprène, c'est du bonheur pour le dos, on se croirait chez la masseuse. Allez-y, franchement allez-y. C'est vraiment de la super qualité, clairement. Pour finir, sachez que je n'ai pas d'affiliation auprès de CFG. Je ne vais pas pouvoir vous donner 10% ou quoi que ce soit sur les ventes. Juste, voilà, j'ai demandé à faire un test. Je fais un test en toute objectivité. Vraiment, si je vous conseille de prendre la sangle, c'est parce que c'est vraiment une bonne sangle. Donc, ne me demandez pas des codes promo, des machins. Je n'ai pas d'affiliation, je fais juste des tests. N'empêche que j'ai une petite carte. Avec moins 10%, avec un code. C'est mon code. Mais je vais pas racheter une sangle. Je suis pas con. Donc, bah, je vais faire comme pour l'Amperstand de chez Fender. Bah, vous mettez un petit commentaire dans la vidéo et puis je ferai un petit tirage au sort et puis je vous donnerai le code que j'ai de moins 10%. Alors, cette sangle-là, elle vaut dans les 40 euros livrés. C'est à peu près le prix qu'il faut mettre, hein, 40 euros livré. Et vous pouvez choisir entre les 4 couleurs que je vous ai données tout à l'heure. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je voulais aussi remercier Sport Inside qui m'ont permis de faire l'intro un petit peu rigolote des bodybuildés en train de soulever des guitares. C'était très drôle à faire, très sympa à filmer. Et clairement, bah, au bout d'un moment, c'est quand même assez lourd. Donc merci à CSG de faire des sangles pour ceux qui ont des guitares beaucoup trop lourde, mais je suis en train de regarder la sangle, mais c'est incroyable la largeur en fait. Je suis en train d'halluciner par rapport à, je vais vous mettre par rapport à la guitare, la largeur de la sangle quoi. C'est et en fait c'est ça, plus une sangle va être large, moins vous fera mal. Et là ils ont tout compris, déjà ils ont fait une sangle rembourrée et qui est hyper large. Bon bref, c'est un bon produit. Les gars, allez-y les yeux fermés. Le temps de réception du colis, c'est à peu près 2-3 semaines. C'est un petit peu long. Et voilà, on s'en fout. Enfin, moi, je suis pas fan des trucs. Je commande, il faut l'avoir le lendemain parce que voilà, ça fait speeder tout le monde. Et c'est un peu le virus du moment. Quoi. Tout le monde veut tout de suite. Là, tu attends tes petites 3 semaines tranquillou. De toute façon, tu n'es plus à 3 semaines près. Et puis, tu récupères ça. C'est un super produit. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours, toujours plaisir. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.